Prime Core, fully seated. Activity levels at 35.72, 36.18, 37.95. No sign of chimeric transformation. Understood. The particle gun is online and ready to fire. Whenever you're ready. Let's begin. Well then, have the next candidates been chosen? Yes, they have. But they're not from our usual channels. They're two new officers who just joined Criminal Affairs. Hmm. They're Captain Max's children. The twin orphans he took in. I've seen their test results, and frankly, Doctor, none of our other candidates come close. I've already taken the liberty of filing for their transfer to Neuron. Hmm. I understand. Et bien, salut tout le monde, c'est XBSky, et c'est sur cette magnifique intro d'introduction de Fifou qu'on se retrouve donc sur Astral Chain, le dernier jeu de Platinum Game qui est une exclusivité Switch. Donc voilà, personnellement j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, hein. Apparemment il a l'air très très bon, presque limite même une très très grosse exclu de la Switch, hein, je pense. Bon, je pense que vous me connaissez bien maintenant, hein, pour... Alors...
Entrez un nom. Merde. C'est bien la première fois qu'on me demande d'entrer un nom. Bon, je vais mettre le même pseudo que sur mon personnage de FF14. Hop, hop, hop. Oui, je vais pas le nommer XVSquette, hein, ça ferait un peu tâche, hein, je pense. Alors, apparemment, pour la customiser... Ah, il y a carrément des coiffures. J'aime bien celle de base. Elle est classe. Alors, coiffure. Oh. Eh ben, dis donc. Ça met de la customisation et tout. C'est pas mon style, les dernières pour l'instant. Si arrive à avoir quelque chose avec cette coiffure, chapeau. Pas mal. Pas mal. Ouais. Non. Trop... Voilà, non, clairement pas. Attendez. Coiffure. Oh, c'est pas la même que la A. Ah non, c'est pas la même que la A. Ah, je sais pas. J'aime bien celle-là. Je la kiffe bien. Ouais, vas-y. Yep. Alors, la couleur de cheveux. Est-ce qu'on se peut mettre ça en rouge Ah non, on va faire en rose, hein. Et on va l'appeler Karen, hein. Karen qui aime bien râler. Non, moi, je suis plus rouge, perso. Ouais. Quoique... Non, ça va, ouais. Alors, les yeux... On va faire ça. On va poser, on laisse. Brenda, where are the two new candidates now? Doctor, we've just received reports from the police of a confirmed gate opening in Central City. All available officers have been sent to investigate. I assume the twins are no different. That will do. Let's consider this their field test. But sir, we haven't even briefed them on the project. Never mind that. If they were to fail now, we couldn't use them anyway. Brenda, humankind no longer has any more time to waste on useless formalities. Oula! Ah ouais, carrément. Moi, j'adore le style. We've got several eyewitness reports of gate openings in Central City, Zone 36. All officers, ensuring civilian safety is your top priority. If you see any aberrations, take them out and keep the damage from spreading. Repeat. Calling all officers en route to Grand Avenue. Okay. Watch out for abandoned vehicles on the highway. The area has been designated Red Shift Level D. We've confirmed reports of civilian aberration. We have approval from the Union to use lethal force on any aberrations. Exercise your best judgment when engaging these targets. That is all. Pourquoi j'arrive pas à le toucher, lui? HQ, do you read me? There's too many aberrations to count. They blocked off the highway. I guess we're looking at multiple gates along the road. Spreading to everyone passing through. There's too many of them to handle. I need backup now. This is HQ. We're concentrating our firepower on Central City at the moment. Special Ops Bureau's orders. We will send over whoever we can once things have calmed down. Hold tight until then. What? You've got to be kidding me. Damn it! No backup. We're all goners. Hey, you can hear me, right? Where the hell are you? Come on, get over here! J'arrive! Ah, oh, calme-toi! Oh. C'est pas facile de viser sur la moto, hein. C'est peut-être pas la meilleure façon de lancer un tutoriel, mais en tout cas, c'était bien classe. Oh! Oh oui, j'avoue, il y a du style, hein. Ah là, il y a du style, hein. Ah ouais. Déjà rien que l'intro elle donne envie quoi, ça y'a pas à redire. Par contre de vrai de devoir spammer la touche pour pouvoir tirer, c'est un petit peu stupide. Ah, j'ai pas dû avoir un grand bon temps on a vu. C'est quoi si cool? Oh!
automatique, ok. J'ai juste une question. Est-ce que je peux aller dans le menu? Non, c'est bon, ce jeu. Non, est-ce que... Quitte à jouer en anglais... Oh non, on n'a pas les voix jap. C'est une blague? On n'a pas les voix jap? Oh, mais non! Ah, vous déconnez, Platinum. Enfin, techniquement, c'est peut-être pas la faute de Platinum, en fait. Boy, am I glad to see you. Give me a hand, will ya? Oh, it's no use. I can't move. Come with me. The chopper's this way. Ouais, ouais, il a l'air d'envoyer du lourd en vrai. Déjà, l'ambiance a l'air folle. Allez, monsieur, dans le brancard. On vous met pas les. Thanks for your help. I can take it from here. There's more choppers on the way. Nouvelle affaire disponible. Wow! Ouh, le retour de contre parfait. Ben, y a pas un lock ennemi ou autre. Hey, over here. Les lunettes trop cassées. Ah, j'arrive, j'arrive. Oh. Ah, c'est l'air pour verrouiller. We're a man down. Give us a hand. Let's get him. Merde, mon petit bichon. J'arrive dans le dos. T'es un fourbe. On va pas présenter une suite parfaite, mais... Ah merde, j'ai pris les gars. Voilà. C'est quoi cette icône? Ça signifie quoi? J'ai fait un bon score? J'ai fait de la merde? Hey, are you hurt? Here, take this. It'll heal you right up. Come on, where are you? I know that voice. They went to check out the crash site. Eyes open out there. Alors, objet permanent ou temporaire? C'est l'objet de récupération. Ok, suivant. Permanent. Objet temporaire, ok. What? Si vous avez un même objet dans les deux versions, ok. C'est actuellement la ressource temporaire que vous consommez en premier, ok. Comment ça va? Merde, je me suis pas touché. J'ai vraiment du mal avec la manette. Hein. De chez Nintendo. Mais bon, c'est pas grave. Alors, maintenant X, attends, X est en haut, non? Ouais, il est en haut. D'accord, donc il faut maintenir X si je veux utiliser l'objet. Si je vais annuler.
Ah non, d'accord, c'est pour désigner l'objet que je vais mettre, ok. Le coffre, je peux l'ouvrir? Ah, ils m'ont eu! Robert! Je sens normal. Pourquoi je sens que c'est le genre de truc qu'on va utiliser pour un futur boss ou une dernière genre? Hey, are you okay? Stay with me. My leg. It's my damn leg. I can't move like this. What? Gate? Who's there? Come in, PD-025. Corruption levels just shot up over there. What's going on? We're engaging hostile targets. But whatever they are, we can't see them. Can't see them? Are you sure it's not just an aberration hidden somewhere? Whatever they are, get out of there now. That is all. What? Just give it up. Don't you hang up on me! Damn! How are we supposed to fight something we can't even see? J'avoue. This is real bad. Putain, j'avoue. I don't know how we're gonna make it. Put the reunion on hold. Max, you must let them use the Legatus. Wait a minute, Commander! What the hell are you saying? You cannot expect them to fight Chimeras on their own. This is an order, Captain. Don't worry about calibration. I've already loaded their personnel data into those devices. If you say so. Captain, are you serious? What is this thing? That thing will let you use a legion of your own. Hoped you two wouldn't get caught up in all this. Damn it, Commander. Now don't go dying on me. Thank you.
Captain. Whoa! That's the Legion. Part weapon, part partner. Saved my ass plenty of times. D'accord. This is so weird. It's like I'm feeling everything it feels. That means it's working. So I'm guessing you can see that thing in front of you now, too. That ugly son of a bitch is what we call a Chimera. The Ark's not ah, mais il y a des PV, donc du coup, je peux pas utiliser l'infini. A Chimera? The Ark's enemy? The device we gave you is a Legatus. Experimental counter-chimeric weaponry. It's what connects us to the Legions. That connection is why you can see the Chimeras now. On top of that, it's got memo taking apps, navigational aids, you name it. I've got solitaire on my ah, bordel, c'est pas facile de voir, ouais. If this really the time to be geeking out, Jin? Listen, ah, the Legion's wired to attack Chimeras all on its own. Think of yourselves as lion tamers, huh? Just keep your hands on the whip and you'll be fine. Look out, though. Legions aren't always the safest tool in the box. Keep them out too long and they overheat. Ah, mais je veux makes them die. Cranky. You do not want to see a cranky Legion. Trust me, your old man knows that from experience. Oh, lucky mais, ah, mais... Captain, the Legatus' mais... limiter keeps them from sérieux? Going from cranky to murder. Ah, c'est super all right, all right, showtime, quoi. Focus. Chez moi là. On va devoir affronter ce machin, c'est une blague. Look out! This one seems stronger than the others. I don't know how much longer we can keep our footing here. Let's finish this up quick. Quoi? D'où tu m'as touché, cet enfoiré? Ouais, j'essaye, hein, mais bon. Ah, mais il brain sur l'épée, d'accord. Ouh. Ah, bon, je vais pas jeter, moi. Ah, je me suis pris le bras, celle-là. Wow! 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 Ouais. That
Are you okay? You nearly gave me a heart attack. Are you sure you've never used a Legion before? You're already way better at it than Max. I'm standing right here, Alicia. But I gotta admit, that was something. Damn thing moved like it was a part of your body. Okay. Copy that. Understood. Well, that seems to be all of them. We'd better get back to HQ. All right, you two are coming with us. We'll try to explain all this later. Sympa cette histoire! Et vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Je sais, c'est un petit peu court, mais en tout cas, ça envoie du lourd. Hein. Là, j'ai rien à redire dessus. De toute façon, les productions Platinum Games sont toujours excellentes. Hein. Donc, je m'attends toujours à du bon hein, avec ce Astral Chain. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Bon, j'avoue que c'est un petit peu confus les combats pour le moment. Enfin, on va pas juger sur le premier épisode quand même. Mais voilà quoi, on va dire que, je sais pas, pour contrer, ça a l'air un petit peu tendax. Hein. On verra ça quand on va lancer en jeu, mais bon, je suppose qu'on s'améliorera avec le temps. Allez, sur ce, je vous laisse, loulou, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la attitude. Attendez, je suis en mode facile. Mais tu m'as même pas demandé mon choix de difficulté au début du jeu. Bref, allez, n'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme d'habitude, je vous conseille la chanson, vous conseille avec ce conseil dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce tutoriel, et que l'amour du PV soit avec vous. Peace.